Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir que nous parlons aujourd'hui à la le tentative coup d'État qui était faite dans samedi 24 juin qui s'est passé à la. Et puis, nous parlons un petit peu de la suite des événements, comment ça a déroulé pour qu'on va bien comprendre la situation géopolitique qui gagne dans le monde entier. C'est assez bien pour nous-mêmes être capables de comprendre vraiment l'événement lorsque nous passé. Qui est-ce mon Evgeny Prigojine lié? Monsieur, c'est un chef milice que y aurait les Wagner. Et chef ministre n'est pas Kounia là. Monsieur est là, c'est un bon ami Poutine bien, Poutine lui-même qui est président de la Russie. Eh bien, ce qui est passé, c'est que monsieur, c'est lui-même qui est capable de faire de toute vie de travail que Poutine gagne pour le faire un petit peu partout dans le monde entier. En tant que ministre, monsieur Tegetan a combattu déjà dans la zone Afrique, côté monsieur placé près de 10 000 milices que monsieur recruté dans la prison dans la Russie, côté monsieur Sao, il est méchant en pile, côté Nexao, il a profité de quelques pays africains, côté celle, nous capable de dire, dictateur cap et dirigé, pour capable prendre l'or dans le pays avec toutes les ressources minières pays Sao, afin que Kounyala est pour capable enrichir. Mais monsieur, normalement, c'est pour la Russie, pour le président Poutine que la travaille. Et puis Kounyala a une guerre en 2022, elle a une guerre qui déclarait dans l'Ukraine. L'Ukraine, nous connaissons son pays qui est limitrophe avec la Russie, c'est ancien et pays de l'Est que j'ai fait partie de la Russie dans un premier temps. Après ça, et après la chute de, en 1989 de l'Union soviétique, eh bien, pays ça, il vient indépendant. Et puis, c'est qu'on y a là, il vient faire élection. Et chaque 5 ans, son président qui a dirigé. Le dernier président en date là, c'est monsieur, maintenant, c'est Volodymyr Zelensky. Et c'est monsieur qui a combattu, qui a fait la guerre ensemble avec la Russie pour capable de sauver le pays là. On retourne sur le coup d'État manqué qui s'est fait dans samedi 24 là. Monsieur Prigojine, que nous connaissons bien qu'on est là, comme chef ministre Wagner, eh bien, monsieur, par contre, ça monte dans la tête, monsieur, parce que peut-être que monsieur a un petit problème avec chef d'état-major et la Russie, que, parce que là, monsieur a fait la guerre, monsieur dit que monsieur chef d'état-major fait un pile erreur, et ça fait que qu'on est là, lui-même, n'est pas être entré dans l'Ukraine pour la prendre. C'est ainsi que M. parlait avec Poutine plusieurs fois pour que Poutine soit capable de mettre M. dehors, mais Poutine pas d'aller M. parce que Poutine son ex qui m'avait prendre l'ordre dans la même personne. Surtout avec Prigojine lui-même, son ex, c'est Tchoul, et c'est vassal Poutine que lié, et bien M. est là pour capable exécuter ça que Poutine dit M. Mais cependant, de temps en temps que M. a travaillé, et bien et Wagner, qui est ministre privé là, vient commencer à prendre poids, de commencer à gagner beaucoup d'influence dans la justice et en plus dans pile d'autres pays encore que nous sommes cités là, dans la Syrie et dans en pile pays dans l'Afrique. Ce que je pense, c'est que qu'on y a là, je suis senti que qu'on y a là, il est capable de faire pression sur Poutine. C'est ainsi que dans ce samedi 24 là, grand matin, M. Guetta prend en pile char, près de 25 000 hommes, M. préparé pour être capable d'entrer chez Moscou. Et là, monsieur sorti dans l'Ukraine, monsieur avancé dans une frontière que relais, au Rostov sur le Don, et puis monsieur a monté pour être capable d'attaquer l'armée de Poutine et à Moscou. Monsieur a gagné pour le faire 800 km. Dans quelques heures, eh bien, monsieur a divisé le groupe en deux parties. Bon groupe qui est allé bien en avant, près de 5000 hommes, et puis qu'on y a là, monsieur Guéin est resté derrière. Monsieur le secrétaire Bachot, etc. Et puis, qu'on y a là, monsieur, lui-même, ça lui fait, il est arrivé dans la moitié route, qu'on y a, il était presque 200 km pour être capable d'envahir et pour être capable d'entrer sur Moscou. Mais ça qui nous passait, deux coups, monsieur fait le retour. Monsieur m'a dit pour être capable de stopper tout équipement, et puis pour être capable de retourner dans la base, monsieur, ça, monsieur Dinego. Bon, il y en a qui est content, il y en a qui est fâché. Il y en a qui content parce que, il voit que, il y a un peu de sang pas coulé, mais il y en a qui fâché aussi, il dit, monsieur, son lâche, il y en a qui fait partie de monsieur. Mais cependant, en pile monde, qui était dans la Russie, dans Moscou, c'est qu'il est en paix, parce que, il dit que, qu'on est à la guerre parfaite,
y a qui va mourir, et ça, il nous sac pas le couler, etc. Mais ce qui t'est passé réellement, qui fait que monsieur fait marche arrière, il n'est pas entré sur Moscou pour être capable d'attaquer l'armée de Poutine. Ce qui t'est passé, c'est le président, Biélorussie. Biélorussie lui-même, son pays qui se trouve à côté de, sur même frontière, ensemble avec la Russie et ensemble avec l'Ukraine également. Donc, Biélorussie, qui sont un pays qui, aux ordres de Poutine, parce que son ancienne colonie, ou ancien pays qui s'est fait partie de l'Union soviétique également, qui fait indépendant également, mais n'est qui président qu'on y a là, Loukachenko. Loukachenko lui-même, c'est un dictateur que monsieur y est. Il y a pile monde dans le pays, pas là, qui pas flé, ouais, tête, monsieur, mais monsieur son nez qui est tellement senti les fort, monsieur qu'on l'a, mais qui est fort avec lui, et monsieur a réprimé tout le monde qui est dans le pays, ça, les journalistes, les opposants politiques, vous ne pas qu'à dire rien, et même si son nez qui est fort et qui a dirigé le pays là avec un bras de fer. Ce qui passé, monsieur, dans le jour, ça, monsieur Rélé et Prigojine, monsieur t'a expliqué dans la dernière interview que monsieur fait jeudi à là, monsieur dit que là, la PC est contacté Prigojine, et lorsque lui-même, il n'a pas qu'à joindre Prigojine. Prigojine n'a pas répondu au téléphone. Monsieur Rélé, une série de monde dans l'état-major, et pas là pour le capable de chercher qui numéro pour le capable de joindre Prigojine. Il y aurait les en pile numéro sur Rostov sur le nom, et puis il y aurait si Vinuel, monsieur, et bien Prigojine lui-même lui répond avec Loukachenko. Lorsque monsieur a parlé, monsieur a commencé à dire en pile bêtises, en pile paroles, peut-être monsieur était saoulé en ce moment, parce qu'il a accès à un petit volcan sérieusement, mais ça vient de passer que mais, monsieur et lui-même, et Loukachenko dit monsieur, mon cher, et, mais ça l'a fait. Et parce que Poutine lui-même, il a une intention pour le capable de tuer tout le monde. Parce qu'il a tué nous tous, il va déplacer avion, base avionnée, et puis il a attaqué nous. Lorsque nous revenons en bas au pont, eh bien, il a tué nous tous. Nous tous, 5000 hommes, ou bien 20000 hommes que nous gagnons, eh bien, il a tué nous tous. Alors, monsieur expliqué le bal, il dit comme ça, pour ne pas fonder de sang, mais ça n'a pas besoin. Eh bien, on a proposé pour capable de venir dans le pays, ou bien asile et politique. Et puis, Poutine a bord une sorte de grâce pour ne pas attaquer. Et puis, qu'on est là, ou bien moi, capable toujours vivre sans problème. Alors, monsieur, c'est ça que Loukachenko t'a proposé et Prigojine. Et Prigojine lui-même lui a accepté. Et même côté là, monsieur t'a fait deux tours. Il fait marche arrière, il demande pour tout plier, capable de retourner en aucun côté qui était installé. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'on y a là? Puisque les troupes et Prigojine retournent dans la base, mais il y en a qui pas d'accord, il y en a qui dit qu'ils étaient deux attaqués parce que, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, base militaire, il n'est pas casé, mais, et Poutine demande pour capable de retourner, et soit, il prend exil ensemble avec monsieur et aller dans le pays Biélorussie, ou bien il entre dans l'armée, mais par conséquent, comme que les gens ont touché à près de 2 000 à 2 500 euros, eh bien, il n'y a pas qu'à toucher tout l'argent ça, eh bien, il y a payé au coureur, il y a un soldat dans l'armée. Et bon, il y en a qui, par contre, parce que son petit comblier, comme la trois petits, et puis, il n'y a pas sur les ordres de Prigojine encore, parce que pour eux-mêmes, Prigojine, c'est un homme qui est héros que lié. Donc, c'est Prigojine qui est capable de mener un bon combat. Donc, en même temps aussi, qu'on y a là, il y a là, on a commencé à continuer à faire, parce que il y a une contre-offensive que M. Zelensky a préparé. Eh bien, Zelensky lui-même lui dit, il n'est pas crampé, il a continué à attaquer la Russie pour être capable de libérer le pays là contre envahisseur ça, qui était entré dans le pays là en 2022, qui s'est passé là. Poutine, bon, quand il parle lui-même dans le journée jeudi à là, mais monsieur, qui est la date 27 juin 2023, monsieur commençait par la parole après deux jours que monsieur était fait sous silence. Dimanche, il n'a pas parlé, ils font une première réaction de faire l'Assemblée, de faire qu'on est que toute traite qui est à la nation, à la punio. Eh bien, jeudi à là, monsieur vient prendre la parole en deux fois. Donc, première fois, monsieur parlait de une série de choses banales, qui concernait par exemple l'usine qui a fait dans le pays là. Et puis, dans le deuxième temps, qu'on y a là, M. Vin adressé directement avec le ministère. Quand il parlait sur l'événement qui s'est passé là. M. parlait, M. pas cité non Prigojine spécialement,
Mais monsieur parlait de Wagner, de troupes Wagner, monsieur dit que le pape dissoute, mais cependant que les fait même proposition de sortir par là, soit ils rentrent dans l'armée russe, ou bien ils prennent exil, ils allaient dans la Biélorussie, ou bien l'autre côté encore, que vous voulez. Mais il dit au pape poursuivant. Mais cependant, monsieur parlait également, dans la même circonstance, monsieur parlait de l'argent, près de 1 milliard de dollars, sur un espace de une année, que il était confié avec Prigogine, c'est-à-dire Wagner, et puis monsieur dit comme ça, que l'espérer que l'agent ça, il était fait négocier utiliser la bonne escient, parce que, il prend le mener une enquête pour qu'on ait 1 milliard de dollars ça, et s'il n'est pas utilisé le qu'on y a là, en pile enquête pour le mener sur monsieur. Mais ça qui passait. Et Poutine, son qui recunier, et ça vient baisser, le fait que Prigogine fait attaque sur monsieur, et monsieur pas réagi, parce qu'il s'en suit en pile nec, et ensuite, grand pile mon hélicoptère, et qui s'est mouru près de 3 hélicoptères crasés, puis son petit avion, eh bien, j'ai senti les diminuer. Et ça fait que qu'on est là, en tant qu'on a rancuné, et monsieur Gain pour le faire, et Prigogine paye quand même, selon ça, quelques experts en politique fait comprendre. Mais bon, c'est peut-être ça, monsieur commencé à chercher, on sait, le petit prétexte, et en parlant de l'argent que j'ai confié avec milice privée Vanessa, à la personne de Prigogine, et M. dit que s'il enquête que Balmenea, il a fini de remarquer que M. était fait et l'argent s'est passé sous-côté, eh bien, tout le monde s'est payé. Et M. dit, il espérait que même le monde qui était avec M. il n'a pas mangé et l'argent s'est allé mal, sinon il a payé. Donc c'est comme ça que voilà passé, on y est là. Donc, on continue à suivre l'événement pour nous voir vraiment comment ça va continuer. Pour l'instant, Prigogine lui-même est entré d'après les informations que nous trouvons, que monsieur entrait déjà dans la Biélorussie. Mais Biélorussie, oui, monsieur est capable d'en danger parce que Loukachenko, qui est président de Biélorussie, son aigle, et qui est qui sont capables de dire à la solde de Poutine, Vladimir Poutine. Et Poutine lui-même, son aigle, et Sylvain Thuyot, même Jean qui était empoisonné. Et Navalny, qui est sur mon opposant, là aussi qu'il y est, une fois que monsieur est fini d'envasionner Navalny, une fois que Navalny est entré, les messieurs, monsieur, dans la prison jusqu'à présent. Donc, par contre, opposant politique qui fait participer dans l'élection avec monsieur, soit les envasionnés du tueur, ou bien les mettons dans la prison. Donc, son aigle qui voulait diriger le pays pour lui-même. Et Poutine lui-même, donc, on est que son aigle, et ça fait déjà 20 ans, 23 ans exactement, qu'il est sous pouvoir. Et monsieur, changer constitution, il dit qu'il est capable de rester sous pouvoir jusqu'en 2035. Donc, monsieur n'est pas prêt pour quitter le pouvoir, sauf si on n'a pas l'encore de ça, ou bien le peuple russe a lui-même, il a fait une révolte, et pour être capable de demander monsieur pour le capable de quitter le pouvoir. En attendant, monsieur sous pouvoir, il a continué ce mouvement pour nous vraiment, est-ce que le peuple russe a demandé monsieur pour quitter le pouvoir, ou bien est-ce que Prigogine lui-même a bien l'autre monde dans l'armée, la Russie, et même, il n'y a pas demandé pour monsieur capable de quitter le pouvoir, pour être capable de faire un coup d'état ou bien faire force sur lui-même pour partir capable de mettre la terre. En attendant, on a suivi le maillot, et puis, de temps en temps, on a fait une vidéo de cette façon pour être capable d'informer sur ce qui a passé dans la région, ça, entre l'Ukraine, la guerre d'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, etc.